Salut à tous, premier jour des soldes, je me trouve devant chez But, comme prévu. Oh, attends, ça c'est les chaises qu'il voulait. Non mais regardez, elle était à 50. Non, 49, elle passe à 10. c'est pas celle-là que j'ai voulu. Ah, déjà, la dame, dès qu'elle a vu, elle nous a vu, hop, nous a donné le papier. C'est super pro. Donc on a déjà notre petit dressing qui est là. 34, elle passe à 10, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est un modèle d'exposition, il y en a peut-être plus. Je suis tombée sur une console. C'est de la même collection que... Non, sur un meuble de rangement make-up qui est de la même collection que ma console, qui est en solde en plus. Je l'adore en blanc et Eric, il me dit que c'est trop ma stock. Il pensait que c'était un petit meuble, mais il se rend pas compte que j'ai plein de choses à ranger. Et bah les amis, But vient d'ouvrir, il y a du monde, il y a du monde. Il faut qu'on aille voir le sommier aussi. Il y a peut-être des offres. Il perd 30%. Il perd tout 30%. Ah, c'est cool. Ensuite, pour l'entrée, une lampe. Tout est en solde. Hein. 30 euros au lieu de 59. Bon, elle est peut-être un peu ma stock, celle-là. Toi, tu penses que si? Non, je vois. J'ai peur qu'elle soit large, même au niveau de... Mais la pièce est très haute. Hein. Elle est très haute, mais... Parce que la console est pas très large. Et ben ça, c'est plus large, j'ai l'impression. Non, mais ça, je te parle de ça. Le diamètre. C'est ça. On a trouvé une petite lampe pour mettre dans l'entrée. 5 euros, je vous montrerai. Et là, je cherche un petit coussin. On a fait une petite halte pour désinfecter, j'avais oublié. Et du coup, on repart, on a 2-3 choses à prendre à Leclerc. Pour tout ce qui est les meubles, dressing, machin, on va aller chercher cet après-midi. Là, on a quelques petits trucs qu'on a pris, on a pu prendre comme ça. Mais hop, pour libérer la voiture, ça va être plus simple. On a pris 3 lots de à chaque fois 5 cintres. On a pris noir parce que c'est ce qui ira le mieux, je pense, avec le dressing. Coûtait 5 euros, je crois. 5 euros les 5. Ensuite, on a pris cette lampe à 5 euros. Elle était soldée, donc 5 euros. Ça vaut le coup également. On mettra dans l'entrée. On va la monter tout à l'heure. Ça, c'est un coussin galette pour aller sur ma coiffeuse qui était à 3 euros. Oh, je sais plus, 3 ou 5 euros. Nous avons pris bah, ça, hein, forcément, pour les éclairages. Et le reste, ça sera cet après-midi. Qu'est-ce que c'est? Papa, il est en train de monter. Et ce qui est très drôle, c'est que les ampoules nous ont coûté plus cher que la lampe. Ouais, genre, c'est vrai. Ouais, 6 euros, genre, les trucs, alors que la lampe, elle fait 5. Regardez, dès que tu ramènes des choses nouvelles, je zoome, t'as le gars qui est en train de sentir. Qu'est-ce que c'est, mon bébé saké? On se fait une petite pause café, juste avant de partir. Alors, ça fait bien? Ouais, ça, c'est déchetterie. Donc ça... Ah bah tiens, on pourra emmener ça aussi tout à l'heure, la déchetterie. On va les emmener tout de suite. Nickel. Ah, c'est joli. Franchement. En plus, t'as mis une petite 25, c'est ça? 25... J'ai mis une 25, mais j'aurais pu mettre une 40. Non, non, parce que regarde. Regarde, bébé, je t'explique. Si on met ça, on a de la grosse lumière. Donc... Non, mais c'était la question. Moi, je veux une petite ambiance... Alors par contre, celle-là... Ça me plaît, hein. Clair, tu peux la... Ça, par contre, on a dit non. Tu dans peux... le tiroir. Tu peux la laisser allumer pendant des heures, c'est consomme absolument rien. Et franchement, super joli. Nickel, j'adore. Oh, c'est très chic. Allez. Ça va particulièrement bien. Très très bien. 5 euros les amis. On a été d'une efficacité ce matin. Laisse tomber. On a fait tout ce qu'on a. On est même allé à la déchetterie. On a dépanné des gens. Nous sommes allés à Leclerc, bref, il est midi 33, on a tout fini. Petite chips, ça faisait longtemps. Il y a du sandwich. Moi, j'ai pris quoi comme sandwich? J'ai pris ça avec du chèvre. J'ai une petite tête, non, c'est que je me suis très peu maquillée. Je me suis quasiment pas maquillée. J'ai pris des bananes et je vais faire un milkshake. C'est-à-dire qu'il me faut de la glace à la vanille, ça, du lait. Et je vais faire... Un petit check, faut que je teste ce truc. Ah, dis donc, t'as acheté plein de jus, toi. On fera mes glaces du. Ah, bah, tu vois, c'est marrant parce que je parlais, je veux faire le mix. Ah, non, mais non, je suis désolée. Il est en train de se refroquer. J'ai pris ça et ça. Oh, j'ai hâte de vous montrer le meuble et de faire tout le rangement avec vous, make-up, ça va être trop bien. Il est 15h, regardez où je suis. Devant ma coiffeuse. Je me suis maquillée, enfin, je me suis préparée ce matin devant, franchement, très, 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 très agréable, j'ai hâte. J'ai hâte d'installer le meuble ici, de tout bien mettre. J'ai eu une frayeur, vous pouvez pas savoir quoi, que je suis pas encore complètement détendue. Au moment où là, j'étais en train de bosser sur le montage, mon vlog, je vous raconte un petit peu les choses. Le son pourri, ça commence à grésiller, donc je me suis dit, oh là là, ça se trouve c'est mon téléphone, ça se trouve c'est mon ordi.
Donc, grosse angoisse. Et finalement, j'ai tout débranché, rebranché. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, je dis bien, parce que rien n'est fait. J'espère que ça va le faire. Eh ben, on va aller à Butte. Il est 15 h déjà. Je suis pas sûre. Franchement, je pense pas que. Parce que Eric, il va monter les meubles. Je pense pas qu'il puisse faire et le dressing et le meuble machin. Même si peut-être que je vais le faire moi. Après tout, j'ai déjà monté des meubles. Il n'y a pas de raison. Parce que franchement, j'ai tellement hâte de tout mettre. Et froid. Oui, j'ai eu froid. Les gens, remarquent, se baladent ce matin. C'est la réaction avec Eric. Ils sont en manteau. Bah, remarque, il fait 20 degrés aujourd'hui. Je parle vraiment de tout et de rien. Direction Butte. Je vais dire un truc. Ouais, coup de barre sur coup de barre sur coup de barre. Je crois. Attendez. Oui, je disais, j'enchaîne les coups de barre. Ce matin, ça allait bien. J'étais soulevée tôt. Et je pense que là, je paye. J'arrête pas de me lever à 6 h du matin. Je me couche tard. Et on a fait des soirées, deux, trois soirées. Là, je le paye. Je sens. Vous voyez, les micros. Il y aurait que moi, je ferais des petites siestes. Mais là, non, je peux pas. J'allais pas laisser Eric tout seul. Un chiffonnier baroque. Ah, j'ai un sommier, pardon, ça me revient. Dressing sommier et là, c'est le baroque, là, voilà. Mais oui, c'est ça, le deux sommier. chaises Liliana. C'est ça. Tu veux dire que là, il y a mon chiffonnier? Ouais. Il y a tout. Ah Je ouais, ça me paraît bizarre quand même. Je pense que dans 2 minutes, on ne me voit plus. Mais ça va rentrer. Et voilà. Une voiture bien remplie. Tout a été monté, enfin pas monté, les cartons hein, dans chaque étage, deuxième, premier, tout ça. Le montage, je vais pas trop le saouler, mais je prends peut-être s'ils pouvaient en faire au moins un aujourd'hui, ça serait cool. Et puis demain, on prendra le temps pour le dressing. Regardez, Monsieur Jackie a chaud. Oh, c'est ici. Tu as tes papas de bien rangés? T'es toujours un beau garçon? Chiffonnière. Et. Dressing et les chaises dans son bureau en bas. Et j'allais oublier le sommier. Les amis, on est sur une jolie tête, n'est-ce pas? Je me suis allongée. 20 minutes, une demi-heure en bas. Je commençais à avoir la tête qui tourne. Enfin, quand je fixais quelque chose, ça faisait des vagues. Je dis, oh, ça c'est quand genre, je suis de tension ou la fatigue accumulée. Bah écoutez, ça m'a fait du bien. Peut-être en vrac, mais bon. Pour les meubles, je sais qu'Eric. Pendant que je faisais la sieste, il venait bébé, bébé, bref. Il est en train de monter ses deux chaises. Je ne vais pas l'embêter avec. On va faire ça demain. Mon chiffonnière demain. Lui, je veux qu'il fasse vraiment son rythme parce que déjà, on est en vacances, on a le temps. Et plutôt que de se précipiter, et puis c'est déjà chiant de monter des meubles. Donc voilà un petit peu. Ah, petit bébé, ça. Ici, attendez. Ici, c'est comme ça. Il y a encore tout à nettoyer le sol, mais au moins, on a pas mal déblayé. Pour laisser la place à la construction qui sera là. Oui, je te donne à manger. Ah, c'est pas mal, bébé. Elles sont bien, c'est les chaises de bureau. Non, c'est Et je t'entendais, je faisais la sieste, je suis désolée, mais. Pas de problème, c'était pour que tu aies ta seule. Carrément. Et on se met là, tous les deux. Et là, on profite. Oh, tellement romantique. T'es un beau bébé. Oh, papa aussi, bah, il est fatigué. J'ai la flemme de faire à manger, moi, ça. Je vais voir avec papa ce qui est possible de faire. Vous l'aurez compris, notre chose s'est arrêtée sur des pizzas. Oh, flemme, en plus, il y en aura pour demain midi et tout. Donc, on se regarde une nouvelle série. Le titre est ici. Très particulière, mais j'avoue que ça nous plaît bien. Voilà, je clôt maintenant et demain, on se retrouve en vlog pour la journée montage. On va installer, on va commencer à installer. Allez, salut!